L'échange du palais présidentiel s'inscrit dans la suite logique des discussions entamées les 24 et 25 mars dernier entre le PDG, le Parti démocratique gabonais, et l'ANC, le Congrès national africain. Sur la table des pourparlers, la question de l'élection du prochain président de la Commission de l'Union africaine. No, this was just a courtesy call to the president. As you know, we've just landed. Nous sommes là seulement pour voir les présidents parce que, comme vous savez, on vient d'arriver de l'Afrique du Sud et on voulait seulement voir le président avant qu'on ait nos réunions entre les deux partis, le parti de l'Afrique du Sud, de l'ANC, et le parti du Gabon, les PDG. Ici au palais présidentiel, l'émissaire sud-africain est porteur d'un message du président Jacob Zuma à son homologue gabonais. Les relations entre les deux pays sont très bonnes et cette visite, c'est une continuation d'une réunion qu'on avait eue il y a quelques mois. Alors, nous, on croit qu'il faut avoir des relations entre les différents partis. Et alors, on a eu une réunion en Afrique du Sud. Alors, c'est une continuation de cette réunion. On fait ça avec les autres pays, qu'on a des relations entre les partis politiques des pays. On croit que ça, c'est très important, les relations avec les partis politiques. Ancienne présidente de l'Assemblée nationale et secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'ANC, Bale Kambete est aussi membre du groupe des experts Vérité et Réconciliation. Présidente nationale de l'ANC, elle met aujourd'hui son expérience au service des relations entre le Gabon et l'Afrique du Sud.